Pourquoi nage ? Je voulais quelque chose de vrai, qui a un sens. J'ai donc pris le prénom que m'ont donné mes parents, qui signifie étoile en arabe, chanteuse en indien. Et voilà, je l'ai juste diminué. Et puis les ricains, ils adorent. J'ai connu Najma en studio. À l'époque, je composais des instrus avec DJ Doze. Et donc DJ Doze a rencontré Najma. Il lui a fait écouter les prods qu'on produisait ensemble. Et puis voilà, elle a kiffé sur une. Et puis elle a tout de suite écrit. Et puis voilà, on s'est rencontrés grâce à un morceau qui s'appelle Méditerranée. Bah disons que Najma, c'est pas quelqu'un qui vient les mains vides. Quand elle vient en studio, elle vient avec plein d'idées, elle vient avec des compos, elle vient avec des textes en français, en anglais. Et puis c'est vraiment bien pour le boulot parce qu'elle propose. Et puis elle a des super idées de ligne vocale, elle a plein de bonnes idées aussi d'arrangement. Donc. Alors la première fois qu'on s'est vu, c'était en 2003. J'avais été recommandé par un ami à qui je bossais, qui bossait avec Expression Directe. Et j'ai collaboré avec elle sur un titre qui s'appelle Soleil, qui a pas mal tourné sur les ondes FM. Le feeling s'est fait, toi l'ambiance elle était un peu era et NB, puis j'ai rajouté ma touche raga, reggae dessus, et puis ça l'a fait. Là je l'ai connu il y a à peu près 7 ans. À l'époque en fait, Naj, elle était en scène avec sa cousine. On a un groupe et à l'époque elle m'avait demandé si ça me gênait pas de faire un petit tour et de leur conseiller sur quelques trucs afin d'améliorer leur show. Qu'est-ce qui a fait que je sois destinée à la musique? En fait ça m'est venu tout naturellement. Dès que je prenais mon stylo pour écrire ou mon synthé pour composer, c'est là où je me sentais vraiment le mieux. Voilà, j'étais dans mon élément. C'était moi, Naj. J'arrive dans un studio, puis tu vois, je vois une petite demoiselle comme ça, fashion, lunettes sur la tête. Et voilà, c'est moi, c'est Najma. Et elle me fait écouter la musique, l'instru, et direct ça m'a plu. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas, on peut faire un truc ensemble. D'accord, pour le fait que j'ai trouvé qu'il y avait un truc chez elle au niveau de sa voix qui était à part. Elle avait une espèce de générosité au niveau de sa voix et au niveau même des titres aussi en même temps qui était efficace. Donc j'ai voulu la rencontrer, voir ce qu'elle avait dans son univers, connaître son univers un peu plus que ça. On a tout de suite eu du feeling ensemble, enfin, c'est vraiment une bonne vivante. Le personnage déjà par sa générosité, par la bonne ambiance, tout de suite ça, on a bien accroché. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens disent de moi? Que je ne copie pas. Que je suis vrai, authentique, car c'est le cas. Bah super, parce que c'est quelqu'un de super ouvert. Elle fait partie des croiseurs de la famille, parce que je la connais depuis 7 ans. Avec qui j'aimerais travailler? Jay-Z, j'aimerais bien. J'aime beaucoup son son et l'intelligence avec laquelle il arrive à produire, développer ses artistes. Goldman, son univers. Qu'est-ce qui me donnerait envie de bosser avec elle? Bon, je pense que c'est une artiste qui est complète, dans le sens où elle sait faire plusieurs choses. Bon, elle chante, elle danse, elle est dans l'art, l'entertainment. Bon, le côté que j'aime bien, c'est son côté universel, français, anglais, elle peut chanter dans les deux langues, et elle a le feeling pour chanter pour s'accommoder à l'auditoire en fait. Ce qui m'a donné envie de travailler avec Najma, c'est le fait que c'est un artiste avec un grand A, qui avait une sensibilité, mais beaucoup une personnalité. Son style de musique sort du cadre de ce que je fais, et je suis quelqu'un qui est vraiment pour le métissage des cultures, de la musique. J'ai bien fait de travailler avec cette jeune fille-là et de continuer à la suivre aujourd'hui. En plus, je suis arrivé, la musique me plaisait, il y avait une bonne vibe, Naj était là, elle m'a mis tout de suite bien, elle m'a dit ce qu'elle attendait de moi. C'est l'énergie déjà de voir un peu une petite boule d'énergie comme ça, une bonne femme, plein d'enthousiasme, son sourire, l'énergie qu'elle dégage. Travailler avec elle, c'est une fille, franchement, du tonnerre.
Bien sûr. Et comment ? Dynamique, elle est là, elle a une bonne prestance. Et franchement, ouais. Si je devais me définir en un mot, on va dire performeuse, créative, généreuse, battante. Bon, en même temps, j'ai jamais su donner ce qu'on me demandait. Donc voilà, c'est mon côté rebelle. Et là, ça fait 5. Ça en fait pas 15. Quand tu la vois sur scène après et que tu vois que ça bouge et qu'il y a un truc, là c'est encore mieux. C'est pour ça que ce que j'aime bien chez Najma, c'est qu'elle est aussi forte sur le côté maquette, côté studio et le côté scène. Même si elle reflète une image comme ça un peu jeune, tu vois, un peu juvénile, il y a aussi le fait que musicalement et même dans la réflexion, tu sens qu'elles sont plus mûres que les dames, leur âge, on va dire. Donc c'est toujours un rapport en fait entre amour aval, juvénile, mature, en même temps, comme je disais, sur les influences musicales, fantasques, tu vois, un peu abstrait, très terre à terre et en même temps vachement onirique et barré. Ce qui la différencie, c'est qu'elle est elle-même auteure-compositrice, donc ça veut dire que. Elle connaît tout, elle sait utiliser les synthés, programmer une batterie s'il le faut. Donc c'est ce qui vraiment lui donne sa force. Qu'elle s'arrête pas là. Je sais qu'elle fait des choses autres que le R&B. J'ai écouté, je sais qu'elle joue top, il y a pas mal de choses, elle aime bien les sons lourds, toi, l'ambiance un peu qui arrive. Well, I love things about her. Not only does she have a good voice, but she has a great work ethic. She doesn't mind trying to get the best out of herself. She doesn't mind me pushing her. Because she strives for perfection, and that's kind of hard to find in an artist. You know, you can't really learn that. You know, you just gotta be able to have that passion, and that's what Naj has. That's like one of the. Peut-être une fraîcheur et toujours motivé, après à expérimenter plein de choses, pas du tout fermé. Donc pour ça, c'est super agréable. Son truc, elle est vive. Donc, comme les autres artistes aussi, mais elle a son truc, à elle. Voilà, qu'elle ait son univers propre, fait de chaleur humaine, de soleil, de sons intéressants. Et non, ouais, après, voilà, elle a une touche en plus, parce que déjà au niveau de production, voilà, c'est un truc complètement différent. Elle est chaleureuse, la voix est. Elle est sensuelle, la voix est. Enfin, la voix est. Comment on va dire ça? Elle est là, quoi! Le mec qui m'a envoyé au coup. Elle a une personnalité qui ressemble pas aux autres. Elle a la couleur. Elle a une mélange de culture en elle-même, ce qu'elle représente aussi en même temps. Et elle a une certaine intelligence. J'ai pas fait le conservatoire. Je suis autodidacte, j'ai appris, je joue à l'oreille, j'ai appris à l'oreille si tu veux. Donc j'ai pris quelques cours de chant, puis par la suite quelques cours de solfège, histoire d'apprendre quelques notes. Mais sinon, pareil pour la programmation, j'ai longtemps observé et c'est comme ça que j'ai appris et compris comment le faire. Sinon voilà, je ne suis pas une pro certes, mais je me débrouille suffisamment pour composer un titre, de la rythmique à l'arrangement. C'est déjà pas mal. Elle est généreuse, mystérieuse. Un truc qui vole, une fusée. Déterminée. C'est sa propre personne. Elle n'est pas en train de être comme un autre artiste. Vous ne pouvez pas comparer à quelqu'un d'autre, ce qui est génial. Donc, ça signifie she is distinctive, and when you hear Naj, you'll be able to say, oh, that's that girl, instead of, man, she sounds like somebody else. So that's what's different from her, that she's her own person, she's Naj.
Ma musique est à mon image. Elle est dansante, rythmée, sans frontières, mélangée. Un univers à part entière. Un univers qui mixe entre la pop et le R&B. Ouais, l'univers c'est toujours quelque chose de dansant, positif, dans tout style de son. On peut la mettre dans du reggae, on peut la mettre dans de la funk, on peut la mettre dans du hip-hop, dans du jazz, dans de la soul, dans de la R&B. C'est Najma, rentre dans tout. C'est une artiste avant tout. Non, mais c'est un mélange de tout. Je dirais Agendaz, McDo, Miami, les studios, les lunettes de soleil, la plage, et partout. Voilà. Well, I would describe Naja's style as a fusion that makes up her own style. It's a little bit of dance, a little bit of pop, a little bit of reggaeton, mixed in with earthy drums, Moroccan. And French, and you kind of have this whole little pot, and you stir it up, and you come up with Naja style. Puis j'ai pas trop de difficultés à trouver mon style ou à le chercher parce que je contribue à la création, je crée, que ce soit que ce soit la musique, les textes, les arrangements. Je suis pas un produit. Voilà, je produis. Alors Naja, tu rentres de Miami. J'ai la chance, je vais t'expliquer un petit peu, j'ai la chance de vivre entre Paris. Alors tu vas nous aider à rien comprendre. Non, je ne suis pas venue pour ça. J'ai rencontré un producer, enfin, comme on dit là-bas, avec qui je travaille justement sur mon album, la chance. Pourquoi chanter en anglais? Parce que ma mère m'a dit chante en anglais. Non, je rigole. Aussi, oui. Mais non, ça s'est fait. Enfin, lors d'un séjour aux États-Unis, à Miami, plus exactement, plus précisément, j'ai rencontré un producer. Hey, what's up, world? This is the Carvey Dreamhouse Entertainer, and I'm riding with Naja. Comme on dit. Et on a eu le feeling. Il a écouté ce que je faisais, et puis et voilà, il a kiffé et ça s'est fait naturellement, ça s'est concrétisé et on a composé, on a collaboré ensemble. Tu sais quoi, j'ai écouté les musiques et même la vibe, tu vois, les traitements de voix, tout ce qu'elle avait fait. Et elle est arrivée avec un truc nouveau, plein de fraîcheur et franchement, moi je pense que l'international lui va bien. C'est plutôt un univers plutôt international que français, où il y a beaucoup de stéréotypes, de clichés, et je pense qu'elle peut plus se développer à l'étranger. I believe in her success because I think she has great music, I think she has her own style, and she has a great team. Facilité et les capacités à exploser à l'international, Angleterre, États-Unis, Scandinavie. Faut écouter ces derniers sons et tu verras par toi-même. Pas besoin de parler sur ce sujet. Alors, je vous invite à me retrouver sur www.myspace.com/official. That's where you can find all our music. That's where you can find out everything you want about N-A-J. Naj. Holla at your boy. Najma, souviens-toi de ce que j'avais dit depuis dès le départ. Tu as du talent et crois toujours en toi. Parce que tu sais que tu arriveras et je sais que tu arriveras. Bah continue comme ça et puis plaisir de bosser ensemble, de continuer à bosser ensemble. Bah Najma, bonne chance, je suis avec toi et je sais que tu vas tout cartonner. Bah le petit mot de la fin c'est que vu que j'ai été super gentil Najma, tu me dois 16 999 € augmente chaque fois. Fais-moi voyager encore ma fille, fais-moi voyager. Que du bon, bonne réussite. Et je serai toujours là, c'est la besogne noire. Je serai là, c'est une amie avant tout.